Hello les sacs, c'est Sac Dream, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour tester le nouveau pack niveau qui est sorti il y a de ça une ou deux semaines. Donc je crois que je suis pas très en retard sur le test du niveau et j'avais envie d'essayer avec vous ce pack. Parce que de ce qu'on m'a dit, c'est un pack qui, malgré son prix, a un très bon contenu. Et puis vu qu'on est en été, c'est l'occasion idéale pour aller dans un monde qui ressemble un peu à Hawaï de ce que je vois. Donc on va pas faire ça durer longtemps et on va y aller directement. Alors du coup on a le choix entre le passeport. On a le choix entre Sackboy ou Toggle. Bah du coup on va faire Sackboy hein, parce que vu qu'on est en Sackboy, on en profite. Donc à mon avis il va y avoir deux parties dans le niveau. Waouh! Alors déjà, première impression dès le début, ça fait plaisir de retrouver un pack niveau avec de l'eau. Ça fait tellement longtemps, je crois que depuis Pirates des Caraïbes, on n'avait pas vu ça. Et puis, j'aime bien les couleurs, le fond derrière. Ah, une tenue de vacancier, tiens. On fait quelque chose si on... Non. En tout cas, pour l'instant, il y a entre les matières et tout ça, faire un niveau sur le thème de l'été avec ce pack, c'est vraiment une bonne chose. À voir pour la suite. Vu qu'on est qu'au début. La matière sable, je l'adore. Même s'il en existe déjà une. Celle-là, elle est waouh. Laisse-toi attraper. Ah! En tout cas, le fait de retrouver l'eau, ça fait plaisir. Ah, excellent, une matière pastèque. On n'avait jamais eu ça. Et en plus, il y a la peau de la pastèque et il y a l'aspect peau de la pastèque et chair. C'est sympa, c'est sympa. Par contre, je sais. Oup! Dans la vie, il doit y avoir quelque chose si on s'agrippe. Non. Rien. D'accord. Ça doit être avec Toggle qu'on doit le faire, ça. Je pense qu'il va y avoir deux parties. Une partie avec Sackboy et une autre sans Sackboy. Ah et je viens de faire la gourde. C'est pas grave. Hein. Ah il y a même un surf. Par contre pour les... pour tout ce qui est instrument, franchement c'est génial qu'ils aient mis ça. Avec le pack Little Big Planet Move, c'était le seul qui en distribuait. Ah! Non! On peut pas tout avoir! Va falloir recommencer plusieurs fois. Ou si on suit. Ah ouais, mais non, mais j'aimerais bien avoir le une vie. Du coup, on se retrouve où? En tout cas, pour l'instant, ça a l'air d'être plus un niveau galerie. Mais qui propose quand même un petit gameplay. Même s'il est rikiki. Ou pas très présent en tout cas. Alors pour récupérer ça, ça va être chaud. Elles ont l'air de fuir en fait, le Sackboy.
C'était un peu chiant qu'elle me fuit comme ça. Alors. Donc ici, de ce côté, il n'y a plus rien. De celui-là, c'est au gueule, donc on va pas aller voir. Wow! Mais ça doit être la fin, donc on va attendre. Bon, là, il faut se laisser. Voilà. Oh! Un mini-jeu. Et en fait, faut faire quoi? Ah, faut tourner autour. Ça, c'est génial! Hop, et je pense qu'après, il faut refaire tourner le truc. Ça va être une matière, ça. Hop. Donc du coup, on a fini le mini-jeu. Hop. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le fond? Non. Donc on peut partir. Et donc du coup, bah, je pense qu'il nous reste que... Il nous reste plus qu'à aller voir la grotte. Qui avait l'air d'être super belle en plus. Ah non, il y a quelque chose en bas. Ne partons pas trop vite. Surtout s'il y a encore des choses à explorer. Ça serait bête. En tout cas, le mécanisme, tout ça, l'ambiance, j'adore. Oh, des lampes à lave! Ah, si on peut les mettre sur nos pods, c'est génial. L'aspect lave, par contre, de ce pack, elle est bizarre. On dirait plus du sable chaud. Aïe! Bon bah le une vie c'est foutu. Aïe 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 aïe. Faut attendre les vagues. Hop. Ah d'accord. Putain mais je suis trop con. Ah. Bon, sans précipitation, on va y aller. Tout doucement. Hop. Il va y avoir la vague. Hop. Là, on n'en profite pas. Là, maintenant, on y va. Et donc, du coup... Ah, je dois attendre qu'il y ait un plus gros jet. Ok. Par contre, c'est super bien fait, l'aspect liquide de la matière. Donc là, on peut pas faire grand-chose. Ah non! Hop! Comment aller de l'autre côté? Il doit y avoir un moyen.
Oh, j'aime bien le... J'avais pas capté le... Le bâtonnet avec... ouais, sauf que du coup... Aïe! Ah, du coup, si je vais récupérer ce qu'il y a de l'autre côté... Faut mieux que je le fasse tomber et que je saute avec au dernier... Oh non! J'ai lâché trop tôt. Quoique... Il y a toujours moyen de se rattraper. Alors... Oula. C'est pas mal, c'est pas mal. Ouais. On sort de la lave. Ouais, il était vraiment pas très court. Mais en tout cas, maintenant, on va se retrouver pour la deuxième partie. Qui se jouera uniquement avec Toggle. Ah oui, il nous reste 40% encore. Ouais, on va essayer d'avoir une vie avec lui. Et donc du coup, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, ou du moins le début de ce pack, hein, même si on va devoir refaire exactement la même chose avec Toggle, mais on va apprendre quelques petits endroits qu'on n'a pas pu voir. Sur ce, on se dit à la prochaine. Ciao! Il y a cette matière qui m'avait vraiment le plus intéressé, que j'ai pu tester, hors caméra, mais que j'ai pu tester, qui est vraiment chouette pour les niveaux. C'est la matière eau, qui vous laisse la possibilité tout simplement de nager dedans, sans aucune logique. Après, tout le reste, c'est tout ce qu'on peut retrouver dans le dessin animé. Ou même...